Hey everybody, how are you today? Woo! Damn les gens, c'est moi. Aujourd'hui, on fait un beat en 10 minutes. Hey, salut à tous, c'est Super Connard. Bien imité, je pense. Vous pouvez noter sur 10 les imitations. Ouais, je pense que c'est 10. Mesdames et messieurs, nouveau concept. Concept un petit peu novateur. Pas du tout, puisque c'est inspiré des jokes de papa. Je vais laisser quelqu'un expliquer parce que je vais totalement piquer son concept. Oui, merci. Donc je te laisse. C'est vrai que je suis le plus fort et le plus beau. Abonnez-vous à ma chaîne, c'est Amixem. Un petit coup pour moi. C'est lui aussi, le génie. Le génie. D'ailleurs, lui qui m'a enfanté. Ah oui, alors, le concept est extrêmement simple. C'est de prendre une marque et de lui associer un slogan d'une autre marque. Comme par exemple, YouTube à fond la forme. Pas marrant là. Mais le but, c'est de créer peut-être des décalages assez osés qui vont provoquer l'humour chez autrui. Oui. Voilà, comme ça. Je me suis dit, une petite vidéo sur ce sujet en mode joke de papa, ça peut être très drôle. Donc maintenant, il y a une petite voix off tout de suite qui va vous expliquer quelles sont les règles. Chacun son tour, on va se présenter à la table pour affronter un autre joueur. Le but étant de le faire rire. Pour cela, on a le droit d'utiliser les slogans qu'on aura chacun préparés en amont de cette vidéo, mais ce n'est pas tout. Pour pimenter tout ça, j'ai mis à disposition quelques costumes pour pouvoir faire des entrées originales. On a le droit à deux slogans chacun, ensuite les joueurs laissent leur place. Bing, contre voix off, c'est Raska. Si la personne rigole, elle prend un point, et tu l'as compris, le perdant sera celui qui dispose du plus grand nombre de points à la fin de la partie. Attention, il existe une subtilité à cette vidéo. On a un arbitre qui est... Joey. Je crois que c'est la meilleure entrée d'une personne dans une vidéo. Il était là depuis le début. Il était là depuis le début. Joey, voilà, qui lui va être arbitre, donc c'est lui qui va déterminer si c'est un rictus. C'est l'arbitre. On va saluer l'arbitre, bien sûr, mais il y a une façon de saluer. Là, je vous trouve un petit peu rentre dedans. Monsieur l'arbitre. Beaucoup mieux. Joey va déterminer si c'est un rictus ou un rire franc. Le soufflement du nez, le rictus sec, le rictus humide. Bloqué. Alors, le bloqué ne compte pas, par contre. Ouais. C'est en mode. Voilà, le ça, résistant. Bon. Le résistant, tu peux résister. Un exemple de résistant. Voilà, le résistant, voilà, exactement. Le résistant ne compte pas. Le résistant est là pour mettre une tension. Quel est l'enjeu pour la personne qui perd? Je vous le dis, c'est très simple. Le perdant, donc celui qui aura le plus ri, repartira avec une épilation gratuite à la cire. Ce qui va se passer, c'est qu'on aura, du coup, les trois gagnants auront une bande, et ils la placeront un petit peu où ils veulent, hein. Non, non. Non, ce sera la jambe. Non, parce qu'il y a clairement une inégalité de base, puisque j'ai des racines portugaises évidentes. La jambe, Maxime. D'accord. On part sur la jambe, on serre la main, on dit la jambe. La jambe. Pourquoi tu me tends la main? La jambe. Premier duel, on tire à pile ou face? Face, moi. Ce sera Maxime contre Mastu. Ouais, c'est un pile ou face très complexe. Messieurs, saluez-vous. Pardon. Maxime, à toi de commencer. Je commence tranquille. C'est avant tout de la stratégie. Quand je ne crois plus à mes rêves, que je vis ceux des autres. Déloyal, clairement déloyal. Vous regardez dans les yeux, hein. Il y a un regard dans les yeux obligatoire. Un regard dans les yeux, ouais. Volkswagen, c'est fort en chocolat. C'est contrôlé, à vous. C'est validé. T'es prêt? Qui sème les fleurs, récolte la tendresse. Gilet de fusion. Ça n'a rien à voir, du coup. Je veux dire, une marque de rasoir qui dirait ça, c'est vraiment une mauvaise marque de rasoir, en fait. J'aurais pas envie de l'acheter. Ok. Chocapic, Das à auto. C'est l'inverse, du coup, de la première. Je me disais que c'était marrant, vu que c'était l'inverse. Offrez à votre bouche une sensation naturelle, Vaseline. Pleine de sens. Oui, pleine de sens. Bien trouvé, ça va. On est deux chacun. Parfait, messieurs. Belle première manche. Bonjour. Bonjour. Je peux me lâcher ma main. Ah, okay. Moi, c'est une kipsta. Qui veut commencer? Je me lance. Prenons la vie côté Jardiland. Bon, c'était un essai. Front National, plus blanc que blanc. Elle est bien. Elle est très bien trouvée, Cyril. Knacky Ball, la perfection au masculin. Rapport au boule. Excuse-moi, t'as perdu ta kickster. C'est pas grave. Il est très dur, Cyril. J'aime le café. J'apprécie en boire le matin avant de partir sur un tournage, par exemple. Jackie et Michel, grand-mère sait faire un bon café. Après un tournage? Pendant. Très fort, Cyril. Ah oui. On en a fait deux chacun, là? Oui. Ah ouais, parce que là, j'avais beaucoup de mal à venir. On peut peut-être se saluer avant? Pourquoi pas. Saluez-vous, s'il vous plaît. Votre équipe, ça, est à l'envers. Bah, c'est vous l'arbitre, mais il y a un gros soufflement du nez. Ouais. Assez répétitif, en plus. Oh, c'est dégueulasse. Oh, putain, le public peut faire rire comme ça, alors je vais m'en donner à cœur joie, Maxime. Est-ce qu'on peut se saluer? Oui, bien sûr. Incroyable. Ah non, mais ils jouent toutes les cartes. C'est légal. Oh là là. C'est légal. Vraiment? Oh, elle est belle. Mais je m'en vais, clairement, je m'en vais. Je quitte la table. Vraiment? Cyril. Bah, j'ai perdu là. J'ai perdu deux fois la dernière. Moi, j'ai pas pété, je vais me chier dessus. Donc, j'ai essayé tout à l'heure. Cyril, allez-y. Smecta, sans fissure, c'est plus sûr. Oh, c'est bien trouvé par rapport aux fissures anales. Bien sûr. Là, c'est vrai qu'il y a de la recherche. On reste un peu dans le thème. Pampers, ça coule de source.
C'est mignon. Ah oui, ça coule de la source du en fait. De... Non mais c'est pas si. Elle a dit. Sourire et là ça contrôle mais. Ça contrôle. Limite. C'est encore une blague qui te concerne je crois mais. Wisdeo, là où votre argent est heureux. T'as connu Wisdeo non? T'as pas eu des. Non. Faut connaître YouTube mais elle est belle. Faut connaître YouTube ouais. Même mouillée, elle ne se déchire pas. La laitière. Pardon, je suis désolé. Même moi, je me suis retenu de rire alors que j'avais le droit, mais c'est très drôle. Il y a eu un long sourire. Ah, ouais. Il y a eu un beau sourire. C'est contrôlé, franchement. Qui veut commencer? Maxime commence. J'en ai deux pour toi. Prépare-toi, Jordan. Parce que celles-là, je les ai écrites pour toi. J'en ai écrit aussi pour toi, Maxime. Très bien. Attends, non, j'ai un problème de... Monsieur l'arbitre. Faut parler, c'est à toi de parler. Ah bah je commence alors. Mon nom, ma sœur, Maxime, c'est Novalak. J'ai compris. Jordan. Les lavages durent plus longtemps avec Société Générale. Tu peux avoir plus d'argent, du coup. Faire après, par exemple. Par exemple, Jordan. Arbitre, je vous laisse. C'est une résistance. T'as pas regardé? J'ai pas vu, j'ai vu après, c'est résistance. L'arbitre a toujours raison, mais bon, repassons les extraits. Maxime. Il est fou, Babybel, il est fou. Yes! 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 Ça n'a aucun sens! Oui? Eh ben j'étais sûr que c'était ça, fallait que je le dise okay. Vite! Là faut regarder la télé pour l'avoir, c'est la merde, ça va aller. Dulcolac, artisan de la qualitad. Très joli celui-là. Merci. On rappelle très fortement une perruque que j'ai eue sur Mastu il y a quelques minutes. Parce qu'on a vraiment très peu de budget à la Redbox au niveau costume. T'es prêt? Montescalier Stana for the players. C'est un ascenseur d'escalier pour vieilles personnes, mais pour les players. Il y a une manette. Il y a carrément un PC intégré en fait. T'appuies, ça monte l'escalier, tu peux finir ta partie de Fortnite tout en tournant. Combien de gigas? Combien de... 32 gigas de RAM. De RAM. 3,2 gigahertz, 8 coeurs. For the players. GTX 1080 intégré dans le monte-escalier. C'est ce qu'ils aiment aussi les players. Pornhub, le meilleur des résultats en un seul geste. Il y a la gestuelle de la masturbation. Oui, c'est ça, je pense que c'est la masturbation, je suis pas sûr. C'était incroyable. Moi, j'ai trouvé ça très rigolo. À l'intérieur, je suis mort de rire. Ça se voit pas du tout. Je te jure. Ah ouais? Quand il a fait... Comme ça, tu veux dire? T'es vraiment un fistule. Chier, putain. Ok. Quand j'y repense, le P de Mastu, c'est la meilleure vanne pour l'instant. Ok, t'as rigolé. Hein, non, monsieur. Non. Mais attends, mais j'ai rigolé deux fois la même chose. Je me suis pris deux points sur un prout. C'est le jeu. C'est dégueulasse. C'est Maxime. Ah, c'est ouais. Maxime. C'est pas très fair play, hein, monsieur l'arbitre. Je veux dire, on se tape des proutes à longueur de journée. Mais permettez-moi de vous dire que ça pue. J'ai oublié. Ça compte. Unicorn, au bon les deux brebis. Incroyable. Maxime, et ça c'est des... Elle est pas belle la vie. Très axée YouTube, mais belle. Elle a touché mon affect et mon compte en banque. SACD, on rappelle, Joey, toi Killer Beat, ce que tu peux rappeler SACD, rapidement, c'est la société des droits d'auteur. Ouais. Attention, vous deux. C'est... Bravo. Putain. Celui qui commence? Je veux bien. Très bien. Qu'est-ce que t'en penses de ma casquette? Moi, je trouve que ça donne un style. Peut-être que je l'ai mis à l'envers, faut me le dire si c'est le cas. Non? J'ai pas l'impression, hein. Nickel. Alors, j'enchaîne avec... Tin, Another One Drive de Renault Modus. Oh putain, elle est trop bien, mec. Kangoo aussi, si tu veux. Another One Drive. Vas-y, tu peux le faire aussi, hein. Chante. Ok, c'est dommage. Tu veux que je te la refasse, peut-être? Non, c'est grave. J'ai compris. Ok. Très bien, belle résistance. Bah, attends. Oh. C'est physiquement impossible. Oh, oui. J'ai besoin des crayons par contre pour... Très bien camouflé en tout cas. Eh ben Mastu, vas-y. Bah quand il y en a marre, il y a Flelou. Pas tellement non, moi quand j'en ai marre je vais pas chez l'opticien quoi. Moi j'ai compris la subtilité. Quand il y en a marre, mais il faut le dire comme ça, ça marcherait mieux je pense. Et là, t'aurais pu mettre des lunettes à dire quand il y en a marre, il y a Flelou. Contrôler. Ce stylo il est horrible. Hein. Remets-le pas à notre endroit. Non, vraiment. Il défie les lois de la gravité. Atoll, c'est fort en chocolat. C'est pas... Ça n'a rien à voir en fait. Je pensais là, j'aurais pas dû la lire. Diesel, d'où c'est le goût?
Oula, Joey, regarde tout à droite, ça a craqué. Ouais, ça a craqué. Mais à gauche, c'est pas mort. Cyril, je te donne, non pas toutes mes différences, mais la parole. Merci beaucoup, Jordan. En wifi. Tampax, vous allez adorer avoir des boules. Ça fait beaucoup de choses, du coup, dans un vagin. Vu que t'as des boules, t'as pas besoin de Tampax. C'était ça, la blague, en fait, mais... Oh, je me rattrape, je peux me rattraper tout de suite. Gay Pride, on n'a pas le même maillot, mais on a la même passion. Qui consiste à quoi? À recevoir des notifications Twitter? Pourquoi pas? Ah non! La cuisine, c'est nous! Et Babybel. J'adore Babybel. Putain, tu mets sur ton nez, ça fait un nez rouge. Ça fait un clown. J'en ai une deuxième, du coup. Have a break! Have a crusty bat. Ah, 10 secondes de regard dans les yeux avant de commencer, bien sûr. On écarte les cheveux du visage. Alors Maxime, je veux pas te dire de la merde, mais je crois que c'était un cul. On sait quelle partie du corps on va lui épiler s'il perd. Il le regarde dans les yeux, bien sûr. 10 secondes avant de lancer la phrase. C'est long, 10 secondes. Vas-y. Handicap international, parce que le monde bouge. Wow, elle était folle celle-là. En fait, ils peuvent pas bouger, ils sont handicapés, Mastu. J'avais compris. Subway, teriyaki. Bien vu. Duracell, il en faut de l'énergie pour être un enfant. Puis peut-être t'aurais pu avoir un fou rire nerveux, tu sais, parce que la situation s'y prête assez, je trouve. Désolé, mec. Dans la vie, il y a des choses qui ne s'achètent pas. Pour tout le reste, il y a CB12, le bain de bouche anti-mauvaise haleine. Est-ce que tu peux acquérir des choses au final avec une haleine fraîche, hein? Ça va, je suis plus calme que tout à l'heure. Là, ça va. T'as quand même ton cul sur un bandana que je mettrai pas du tout après. Hein. On est d'accord que personne ne va utiliser ce déguisement. En plus, il a pété tout à l'heure, il suit un peu du cul. Ouais, non, bon, personne n'utilisera ce bandana. Ah oui, ouais. Là, il tourne beaucoup, là. Ah. Il a rigolé. EA Sports, en avant les histoires. Normalement, c'est Playmobil. C'était Playmobil. Playmobil It's the Game, c'est ça l'inverse. C'était très très bien. Ouh, que c'était bien. Qu'est-ce que c'était rigolo. Drôle, 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 drôle. À mourir de rire, Théo. Merci. Bravo. En fait, j'étais toi. C'était ça, la vanne. C'est très marrant. Bravo. Eh bah, très bien. Ça commence super cool. Qui commence? Jordan. Mercurochrome et vos envies prennent vie. Pourquoi pas, hein. Moi, j'aurais dit sympa, mais pas forcément très drôle, quoi. C'est une mise en abîme, en final. Durex, c'est plus malin avec tes mains. Tiens. C'est donc qu'elle est énorme cette bite. Le mime est allé trop loin. Bravo. Quand je fais de la purée Castorama. C'est une purée à base d'outils. Par exemple, un marteau, même une clôture. Une purée de clôture. Ça aurait pu être... Une purée de clôture. Une purée de perceuse. Par exemple, oui. Je suis sûr que de ce qu'il y a dedans. C'est ça la fin du slogan. Je suis sûr de tout ce qu'il y a dedans. Pas du tout, parce qu'à Casto, il y a vraiment plein de références. Il peut y avoir plein de choses. Il n'y a pas que des patates, quoi. Peut-être des filaments d'ampoule. Peut-être. Ou peut-être une caissière. Ah putain, non. Je devais tenir à ça, merde. Uncle Ben's, c'est fort en chocolat. Mais non, c'est du riz. Ça peut pas être fort en chocolat. Hein. Ou alors c'est un mauvais riz. Ne le crois pas, c'est pas ça. Moi j'en ai un petit pour toi. Total, aidez-nous à garder une mer propre. Ça c'était une vanne écologique. Pas mal. Elle est sans bibi, sans yo-yo. C'est sans bibi, yo-yo. C'est sans bibi, c'est sans yo-yo. C'est sans bibi, yo-yo. Fatal. Le film. Avec Michael Youn. Personne connaît ce film? Si, bien sûr. D'accord. Faut qu'il se taise, hein, lui, faut lui dire, hein, qu'il ferme sa gueule, quoi. Ça te fait rire? Pas du tout, c'est pas drôle, en fait. Guérir 2 cancers sur 3, nous, on y croit. Twitter. Oh. J'ai entendu un... J'allais dire, il faut lui accorder un point pour la beauté de l'écriture, et en même temps, il s'est grillé après, donc ça s'annule. Est-ce que ça compense? Ah bah non, j'allais gagner un point, du coup j'en perds 2. Non, justement, ça s'annule. Comme si c'était arrivé, ça s'annule, ah c'est gentil. C'est vrai qu'elle était bien trouvée. Cornum, la force du fruit. Le fruit, par exemple, une courgette qui ferait penser à une grosse bite, Cyril. Un gros melon, par exemple. Juste vraiment un porno avec des pastèques, quoi. Bien vu. C'est le moment où on imagine la scène, en fait. Imagine, tu vois la pastèque, ça dépend du bruit, la pastèque c'est un peu plus sourd, c'est plus fort.
Et puis son cul, il fait... Tout d'abord, je tenais à me présenter. Hey, salut à tous les amis, c'est David Lamarche McLemon. J'espère que vous allez bien. M'écouter, ça va super, ça va extrêmement bien. Je suis avec Mijirachi. Coucou tout le monde. Maintenant, je peux peut-être commencer. Bah attends, je me suis pas encore présenté, moi. Ah oui, bah alors, j'attends que tu te présentes. Hein. Putain, mais on fait beaucoup trop de vidéos, mais... Salut à tous, y'a Salam, alaikum à tous mes frères, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Donc aujourd'hui les gars, on se retrouve pour une Je connais pas cette personne. Ah, je commence. Après, oui. C'est très gentil en tout cas. Pas de stress, y'a Arnigel. Pas de stress, y'a Arnigel. C'est quoi Arnigel? J'en ai aucune idée. C'est un gel. Fais le sortir. Je sais pas mais quoi il sert, mais la pub est passée souvent. Tu sais à quoi ça sert Arnigel, Mastu? Non, pas du tout. En tout cas, pas de stress si tu l'utilises. Je t'en prie, Mastu, c'est à toi. Zéro tracas, zéro blabla, FaceTime. FaceTime est une marque. On peut leur faire si tu veux. Zéro tracas, zéro blabla, la paire. Il y en a pas deux. Zéro blabla, zéro tracas, Bordeaux Chanel. Quoi? J'ai l'impression de faire un camoulox. Playmobil, les nouveaux commerçants. YouPorn, c'est de la barre. Qui a comme slogan c'est de la barre? Carambar. Carambar, c'est de la barre. Ah, effectivement, ouais, c'est des barres. Et j'ai une question, est-ce qu'il y a des blagues dans les vidéos YouPorn? Des blagues? Des blagues quand tu les déballes. À la fin de chaque vidéo? À la fin de chaque vidéo, il y aura des blagues. Comme les fables de La Fontaine. Sauf que là, ce serait le cul de Madame La Fontaine. Ou alors les fables de la femme Fontaine. Ou alors Jean de la femme Fontaine. Aussi. Je sais pas, moi je trouve ça cool. Bah, tu vois, parce que tu regardes, tu tapes une grosse queue sur un boucaquet dégueulasse. Et à la fin, une girafe demande à un éléphant. C'est vrai que ça serait dans le contexte, hein. Oh oui, oui. Très bien, merci messieurs. On retourne en enfance un petit coup. Allez. Tu aimes Noël? J'aime Noël. Qu'est-ce que tu faisais à Noël? 36-30, 36-30, Jean-Marie Le Pen. Oh, les frontières, n'est-ce pas? Il faut les fermer. Tu as été... Elle était incroyable. C'était la VF de Bruce Willis. Bien joué. Atelier les opticiens répare, atelier les opticiens remplace. Tu sais que s'il y a un impact plus petit qu'une pièce de 2 euros sur tes lunettes, ce qui en fait prend toute la lunette, ils peuvent injecter une pâte spéciale sur la lunette qui répare le verre. Alors, et parfois, tu ne payes pas la franchise. Sachant que 2 euros, c'est plus gros que le verre. C'est ce que j'allais dire, mec. C'est ça. Et en plus, ils t'offrent en ce moment un abonnement à Coyote. T'es sûr que c'est pas des lave petites glaces Bosch? Ouais. Les miniatures? C'est vrai, putain, pour les lunettes. Et Joe, il a pas son signe, il a dit yes, c'est le retardement. Parlons entreprise, parlons business. Je l'aurai un jour, je l'aurai. Bolloré, Ubisoft. Wouah, habile. Google Chrome, le pansement des héros. 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 C'est fini. Google Chrome. Ah, allez, ça part. Merde. Alors c'est un déguisement qui est pas très fun, mais je suis simplement un gangster GTA V. Il a pas été retenu dans le jeu vraiment. Non. Veux-tu rejoindre mon gang? Non. On est contre les violets, les bandanas violets. Et des fois on fait comme ça. Vous pouvez faire un peu plus vite parce que ça devient long. J'aurais pu dire. Qu'est-ce que t'as pas dit? Rhino Shield. Putain, ça m'aurait fait rire quoi. On se lève tous pour la poste. La poste. La poste. Waouh. Putain, ça me saoule. Si tu le faisais une deuxième fois, je suis sûr il craquait. Regarde. Normalement, c'est Danette. Normalement, on se lève pour Danette. On va au frigo, on prend une Danette. Merci bien pour ce beau moment. Avant que tu commences, est-ce que tu veux que je lise dans ton avenir? Pourquoi pas? Tu vas voir ta main. Quand c'est bon, c'est bégon. Bégon, c'est pour tuer les moustiques en fait. Peut-être que j'ai le droit à une autre, vu que la marque n'était pas connue. Qui connaît Bégon? Je sais pas. Non, je suis pas. Moi, je connais Bégon et les granites. Bonjour. C'est terrifiant ce que tu viens de faire. Parce que personne ne connaît cette commune, mais il y a vraiment une commune qui s'appelle Bécon les Granites à côté. Et il a fait Bégon les Granites. Et pour un gars qui habite ici depuis 20 ans, c'est terrifiant. C'est vrai que j'ai bien aimé de jouer, même si je connais pas le patelin. Déjà, le patelin est une vanne. Eau de Javel, monsieur propre, par amour du goût. Comme si on buvait de l'eau de Javel. Faut pas faire ça? Non, mais c'est peut-être très bon. Si Jus va bien, quick. Juvamine. T'as rigolé aussi du coup. Hé, hey, j'ai juste soufflé. Non, t'as rigolé. Arrête. C'était un rire de satisfaction, mais c'était un rire. D'accord, oui, c'est vrai que j'étais satisfait. Mesdames et messieurs, pour conclure cette vidéo, avant le résultat, nous allons partir sur un battle royal. Roger Cavaillès, du beau gazon toute la saison. Je parle pas d'un jardin, je parle vraiment d'une grosse chatte. Putain.
J'ai vraiment un enfant, quoi. C'est lui aussi. Alors j'en ai un. Ah, tu restes in-game. Bah, t'as perdu, hein. Ah ouais, mais j'en avais un. Est-ce que je peux partir sur une blague? Oui, mais ça peut être un battle royale, mais vous participez quand même, vous dites les blagues. Un repas, un café, un Pierre Martinet. Dommage, parce que je connais pas Pierre Martinet. Quoi? Un repas, un café, une Dacia Logan. Je tiens à dire avant de faire cette vanne que ce n'est en aucun cas ce que je pense. FN dit adieu à la saleté. Bah, je suis mort, j'en fous. Ah, mais je prends quand même une pénalité? Oui. Oh merde, ah, c'est dur. Doritos, ça fait du bien là où ça fait mal, dans la verge par exemple. Bah là, ça ferait super mal, ouais. Mais dans le cul, c'est encore pire. Ah, fait chaud. Le dernier. Dacia Duster, le petit pot des eaux constants. Ces petits filous, tu sais, les pots. Si, c'était drôle. Bravo. Je suis sûr que tu penses à des rats morts et tout pour te persuader que tu pourras pas rire. C'est marrant, des rats morts. Je trouve ça marrant. Un bon rat crevé, dégueulasse. Un rat mort nettoyé avec du Roger Cavaillès. Le savon. Ok. Tu sais que je crois que tu continuais, t'allais voir vraiment la larme couler. Je suis sûr que c'est monté tellement violemment là. T'as gagné le Battle Royale du coup. Bravo. Félicitations. Le résultat est sans appel, je crois. Oh merde. Le perdant se prénomme Jordan avec 16 points. Yes. 16 rires. Vient ensuite Cyril. Combien avec 10 points. Vient ensuite Maxime avec 9 points. Et vient ensuite Mastu avec seulement 3 petits points. Yes. On t'arrache les poils les gens? Oui, non, c'est une épilation gratuite, je préfère ce mot. J'ai perdu, je vais donc être épilé gratuitement par mes acolytes très gentils qui sont derrière moi. Où est la cire? Je vais la chercher. C'est des bandes de cire, c'est vraiment la cire qu'on... C'est des bandes de cire! Ouais, bien d'accord que c'est ça. Hein. C'est une serviette en papier, ça, Jordan. Mais c'est marqué totalement bande pour épilation, attends, qualité supérieure. En fait, c'est des bandes et normalement, là-dessus, t'es censé acheter la cire que t'étales dessus. T'as vraiment acheté que des bandes blanches? Je fais un tournage pour ma chaîne, je suis content de le faire. C'est un concept que j'ai piqué à Maxime, c'est très drôle. J'installe tout, il fait très chaud. Je mets un gage que je ne veux absolument pas avoir. Le gage tombe sur moi, je perds. J'ai acheté des bandes de cire qui ne sont pas des bandes de cire, mais bien des lingettes de coton, sans rien du tout. Je dois aller moi-même chercher les bandes de cire qui vont permettre d'épiler mes jambes. Je compte aller en vacances une semaine à la plage avec d'autres gens. J'ai des jambes très poilues et je suis devant Super U pour acheter des bandes de cire. Est-ce qu'il y a meilleur karma que ça? En vrai, ça me fait vraiment chier. Ils le savent pas, ils savent pas ce que je suis en train de dire, mais vraiment, je suis dégoûté. C'était très drôle, hein, mais je suis dégoûté. 7,85€ pour une humiliation terrible. Retour à la Redbox. Maxime est pas là, il a dû partir en rendez-vous. C'est moi qui le remplace. C'est Valentin qui le remplace, mais il y aura... Salut tout le monde, c'est X-Men. Voilà, faire de la limitation. Regardez pas mon kiki, hein. Voici ma jambe. Ah ouais, d'accord, enculé. Mais t'es un bâtard. Mais mec, Cyril, c'est un démon. Mais mec, mais arrête, y'en a que deux normalement. Mais t'as un enculé, ok, 3, c'est bon, c'est fini. Là, regarde, là, y'a rien. Ah, bâtard que t'es, t'es un mec, Non mais attends, ça marche pas, il faut attendre 5 minutes. Ah non. Putain de sa mère mec, ça fait trop mal. Yes, c'est ce concept de vidéo, on le refera plus. Regarde, on dirait que ça a vraiment arraché autour. T'es pas bien. Je sais pas comment finir cette vidéo. En tout cas, c'est une vidéo poil. C'est une bonne vanne. Ça vous a plu? Ah ouais, c'était bien. T'as trouvé aussi? Ouais. Bon bah c'est bien alors. Tu t'as fort chaud. Et ben vous savez quoi? Si ça vous a plu, vous mettez un petit pouce bleu, vous partagez la vidéo. On pourra refaire d'autres concepts comme ça, hein, si ça vous plaît. Mais on le fera sur d'autres chaînes que la mienne, parce que j'en ai marre des humiliations. Merci, c'était cool. Il y a une vidéo qui s'affiche ici, une vidéo qui s'affiche là. Là, vous pouvez vous abonner à ma chaîne. Vous pouvez vous abonner dans la description. Oh, c'est très cool. Merci. Voilà, on fait ça. Double ciao.